amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement, heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors, Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors, Blocus, ça s'écrit BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. L'éventuelle catastrophe qui pourrait frapper Haïti et ouvrirait-elle automatiquement aussi à son développement social, politique et économique? Et à quand le rétablissement du royaume de Dieu? Et quel est le fondement de l'évangile de Dieu? Unit Garçon, elle est grand prêtre royal, notre invité ce soir à Blocus. Bonsoir, spirituellement et prophétiquement, la principale dirigeante du MDC, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Chers amis, bonsoir, c'est un plaisir pour moi avec nous, après-midi à... Je pense que je passe de présentation. Encore, c'est la sœur Eunice Garçon. Et titre que bon Dieu ben nous, c'est grand prêtre royal pour le royaume d'Haïti qui bientôt à venir, après catastrophe là, n'a pas chance pour nous gagner une royauté en Haïti. Et c'est de là que l'Éternel ben nous engagement, l'irrelé nous. Grand prêtre royal li, nous pral faire débat sur ça qui a passé en Haïti actuellement parmi au sujet de travail que nous avons fait. Et après, on a des chances pour poser nos questions sur le message que l'Éternel ban nous. Et grand prix, mon capable de qui est-ce moyen, moi aussi la poser question toujours. Moi, je voulais dire que moi, c'est un professionnel de santé. Moi pratiqué pharmacie pendant 30 ans et moi gagné licence en pharmacie à New York, à Georgia et en Floride. Moi gagné 30 ans d'expérience, mais maintenant moi c'est coordinatrice pour MDC, ministère des 10 commandements, que côté que n'a prêché l'évangile en Haïti pour que nous capables restaurer le royaume de Yahweh en Haïti, que nous avons appelé la nouvelle Haïti. Moi, c'est une mère de 4 enfants, et puis, moi, mariée, moi, son dame mariée. So, moi, c'est ça suffit, puis est-ce que moi, je pense que peuple, moi, connaît qui moi, je aujourd'hui. Qui est l'Éternel était bon dans ça et grand prêtre royal là. Est-ce que son seul grand prêtre royal aujourd'hui qui est dans le monde ou bien en Haïti ou bien il y a plusieurs grands prêtres royal? Qui rôle grand prêtre royal là? Qui attribution? Qui fonction? Qui ça gagne comme responsabilité divine ou bien sociale? OK. Grand prêtre royal là, c'est pas nous-mêmes qui baï tête nos noms hein. Comme vous connaissez, nous travaillons en groupe. Nous avons près de 12 000 missionnaires en Haïti. Et parmi les missionnaires, nous avons à peu près 5 groupes de prière. Ils ont toujours en prière constamment 3 fois par semaine. Et il y a des fois, les nécessités en pleine journée, ils sont capables de faire des journées de jeûne. C'est là que bon Dieu parle avec eux. Il y a près de 7 personnes qui ont une révélation ça. Pendant que bon Dieu bon missionne pour prêcher l'évangile en Haïti, pour que peuple y a capable convertir, peuple y a capable restaurer, retourner vers l'Éternel. C'est de là que l'Éternel dit, moi c'est grand prêtre royal li, parce que m'a raché peuple y a, nommé l'ennemi, et m'a porté peuple y a bali,
placer peuple dans royaume ni pas seulement dans royaume d'Haïti mais dans son royaume éternel. C'est de là que l'Éternel dit li bay raison pour qui sal relem grand prêtre royal li yo. Laissez-moi dire donc que pour leader conseiller spirituel moi yo moi j'ai deux conseillers spirituels que bon Dieu parler avec de temps à autre. Conseiller spirituel moi pas accepter l'aime dire que l'Éternel relève grand prêtre royal à travers les missionnaires. Il n'a pas accepté. Il a fait 3 jours de prière, 3 jours de consécration devant l'Éternel, et puis l'Éternel bat la révélation pâle. Parce que chaque temps nous avons une révélation de la part des missionnaires, le même lui dit, il faut la tester devant l'Éternel pour connaître si la révélation est vraie. C'est de là que l'Éternel bat la révélation pâle, lui dit comme ça que la raison qui fait que le relève grand prêtre royal li, c'est parce que m'a metté moun dans royaume ni. Mais fonction ça ou bien titre ça, combien de temps on va le faire avec titre ça? Ou bien on va passer plusieurs années, plusieurs mois comme grand prêtre royal ou bien ou gon date limite ou pas grand prêtre royal encore? On pas fin tande. Oui, m'a reprendre pour. Moi dis que et titre ça, est-ce que son titre ou gagne qui provisoire? Est-ce que c'est pour 1 an? Est-ce que c'est pour 2 ans? Est-ce que on date limite ou pas grand prêtre royal encore bien? C'est jusqu'à ce que fin fait travail royaume non? Moi pas vraiment connais si titre là temporaire, provisoire ou bien pour tout temps que nous pral servir peuple noir, ce qui le titre bon Dieu gain pour nous, mais révélation yon en procès, en procédure, c'est-à-dire c'est yon continuer. De temps en temps bon Dieu bail révélation, ça nous passer de un step à un autre step, ça dépend de qui niveau nous est dans travail là. N'a pas recevoir d'autres messages et n'a pas connaît qui le titre que l'Éternel a bien pour nous, mais l'Éternel aussi relève les pasteurs d'Haïti, ses prêtres. Et non, dialogue que m'te gen avoir avant de venir dans micro ça off the record, on dit que recevoir appel pour que reçoit appel de du Dieu créateur là pour qu'a prêcher. Prêcher qui l'évangile ou prêcher là selon appel ou recevoir. OK. Peuple Haïtia, bon Dieu te ba non yon révélation pour yo. Révélation an te genye plusieurs phases la dan. Premièrement, peuple Haïtien pa konnen ki yes yo ye. Nous c'est des esclaves, descendants d'esclaves, nous pa konnen ki yes non ye. Les colonisateurs pa jam révélé nous qui est nous yé, nous pas contente nous, yo violé identité nous. C'est premier partie dans message là l'Éternel te ba nous, c'est al enseigner peuple haïtien identité yo. Et si nous pas retourner dans Deutéronome 28, nous pas jamais connaître identité nous. C'est pour nous voir que les nous dans Deutéronome 28 verset 28 verset 49 jusqu'à verset 53. Ouais, bon Dieu dit que ou aller sous l'oppression de un pays qui est aigle comme signe. Et de là pays ça va même des égards pour les malheureux, pour les vieillards, pour les enfants. Pays ça son pays qui est visage farouche. So de là ou qu'a connait que c'est avant l'Éternel a parlé. Pas grand au peuple qui fut l'esclave des puissants. Là, Esaïe 49, il dit, il qui fut esclave des puissants. Qui il? Il, c'est Haïti. Esclave des puissants, c'est Haïti. C'est nous-mêmes qui esclave des puissants. Parce que nous sommes espagnols, anglais, américains, tout oppressé nous. Ils mettent pieds sous nous. Nous ne pouvons jamais respirer. Et jusqu'à nos jours, si bon Dieu pas dit un mot pour nous pas jamais qu'à respirer. Pour cela, bon Dieu voyait nous pour lancer peuple haïtien leur identité. Elle dit peuple la identité yo, que yo c'est descendant d'Israël. Yo c'est les fils de Jacob. Haïti gen 3 tribus la dani. Nous gen tribu de Juda, tribu de Benjamin et tribu de Lévi en Haïti. Nous gen 3 tribus. C'est le peuple Israël. Habiter en Haïti.
bon Dieu a restauré la maison d'Israël avant la fin du monde. C'est ça qui fait que nous, Haïti, nous avons position ça aujourd'hui, hein, parce que nous refusons d'adorer le vrai Dieu créateur. Nous plutôt, nous préférons adorer vaudou, adorer faux Dieu. Nous préférons adorer le diable, nos maçons loges. Qui est-ce qui va adorer? Est-ce que c'est le créateur là ou bien le diable là? Qui est-ce qui relé? Qui est-ce qui interpellé? C'est diable qui relé vient sous pays là. Bokor nou yo, qui est-ce qui relé? Divinoy nou yo, qui est-ce qui relé? Le diable. C'est-à-dire que nous pas vu adorer bon Dieu. Et même tout le monde qui dans l'église, yo en pile fois, yo choisi pour adorer le diable. C'est-à-dire y a servi bon Dieu à deux mains. On met à diable là et puis on met avec l'Éternel. So, bon Dieu voulait restaurer peuple là, lui mander pour nous parler à peuple là de identité yo. Sou connaissez Israël, ou connaissez toute Bible là, dans Ésaïe 49, Ésaïe 60, l'Éternel promet la restaurer Israël. Dans même Psaume 89, l'Éternel dit la restaurer Israël parce qu'elle fait promesse à David que la restaurer peuple ça. Maintenant, soit pas un petit message n'a prêché en Haïti. Qui message n'a prêché ces derniers jours. Nous récupérer déjà 750 l'église qui était adoré dans faux jour d'adoration. Faux jour que l'ennemi a porté ba nous. Il était pas adoré les dimanches. Bon Dieu, je dis à lui montrer que peuple Israël n'a pas capable d'adorer dimanche, jour de soleil, jour pour adorer le diable. C'est pas jour d'adoration du vrai créateur. Vrai jour d'adoration créateur là, c'est le sabbat, le six sabbat de l'Éternel. So, nous devons prêcher peuple là les 10 commandements pour nous faire peuple là retourner au commandement de l'Éternel. Pour les connaître les 10 commandements, pour le connaître, pour le retourner dans le sabbat l'Éternel là. Moi c'est le peuple là, les 10 commandements. Parce que le bon Dieu a traversé le peuple là dans la mer Rouge, les rivières sous la montagne de Sinaï. Premier bagage il a enseigné, ce sont les 10 commandements. Il fait rappeler que 10 commandements, il faut le retourner là-dedans. Étant esclave que le peuple a été, il doit retourner dans le commandement, bon Dieu. Yo. Des gens qui kebaient 8 commandements, ils négligeaient 2 commandements. Yo c'est commandement qui dit pas adorer idole. Deuxième commandement, pas faire image taillée. Pas adorer faux Dieu. Pas adorer saint devant l'église. Pas adorer image taillée. Yo même yo prend plaisir. C'est statue yo voulez adorer. C'est dans chapelet yo voulez rete. C'est dans faux Dieu yo voulez rete. C'est la Vierge noire yo voulez rete. Reine du ciel, reine de la terre. Tous ces faux dieux, ces anges déchus, c'est là-dedans qu'on veut l'arrêter. So, bon Dieu, le peuple a retourné dans la loi. Pas seulement les 10 lois, mais aussi la Torah, les lois civiles et les fêtes de l'Éternel. L'Éternel veut nous retourner. Et message là, maintenant, après que 700 églises a fini d'entrer, bon Dieu m'a dit pour nous continuer à enseigner ces églises. Pour nous enseigner la Bible. Parce que Jésus-Christ dit, lorsqu'il nous baptise, enseignez tout ça moi-même qui me prescrit. C'est-à-dire tout message biblique, yo, les vertus, vérités fondamentales de l'église. Nous devons enseigner ces nouvelles églises. Tout message ça. Maintenant, ou même qui va rentrer l'église du tout, qui d'ailleurs n'a introduit en premier lieu les 10 commandements de l'Éternel. C'est pas 8 commandements pour jeter et deuxième non, il dit pas adorer statue, pas faire image, pas faire idole. Et puis il y a monde même, il voyait quatrième non jeter, il dit sabbat loué à la croix, il va voulait entrer dans sabbat l'Éternel là. Ça son l'autre gros problème. Après, il y a des gens qui gardent 9 commandements. Il y a une équipe qui gardent 8. Il y a une équipe qui gardent 9.
papa vle tande pale sa ba. Nan semaine nan m'apprenne que bon Dieu reproche en pile. Yon lot l'église. Yon lot dénomination. Bon Dieu dit, yon gade seulement yon seul commandement. Yon pense c'est seul sabbat qui existe. Après sabbat, yon pense pas gen lot commandement encore. Ça veut dire nous gen trois groupes souterrains. Bon Dieu a fait appel. Bon Dieu lance yon appel spécial à tous trois groupes sa yo. C'est 10 ou bien 0. C'est soit accepter les 10 commandements sous péché contre yon seul ou retirer un seul yota ou bien problème avec l'Éternel. Est-ce que vous dit nous c'est en fait israélites, nous c'est peuple bon Dieu, peuple créateur. Mais comment comprendre que nous c'est peuple et puis qu'on est tout moment ça tout au cours de notre histoire et en pile colonisation espagnole, colonisation française, américaine jusqu'à présent nous continuons à souffrir. C'est voulu, c'est et voulu Dieu a voulu ça même ou bien bah on est son choix de fait pour quitter nous avant que les restaurer. Est-ce qu'on est obligé de passer tout moment ça avant restauration? OK. Peuple bon Dieu ya. Peuple Israël là, d'après Deutéronome 28, nous détournés de l'Éternel. L'arrivée, l'on séparé de Deutéronome, nous présentons deux groupes. Deutéronome 28, verset 1 à 14, présentons sous obéi, ou garder les commandements de l'Éternel. Ou héritier ou à bénéficier les premières 14, toute bénédiction qui est dans les premiers 14 versets. Mais si vous désobéissez à commandement l'Éternel, l'Éternel t'a déjà dit Moïse que la punition et même malédiction l'Éternel prononcé contre nous. L'arrivée dans verset 67-68, il dit nous praler en esclave la traite négrière n'a subile, c'est-à-dire que y a vendu nous, y a déporté nous sur des bateaux et nous praler en esclave. C'est censure que bon Dieu ba nous, c'est punition bon Dieu ba nous, et entrer en bas en esclavage c'est partie punition hein? Mais entrer sous la dictée de pays qui est aigri comme sinon son la punition plus grave encore que bon Dieu dit n'a subi à cause que nous méprisons commandement bon Dieu yo. So nous besoin retourner dans commandement bon Dieu yo. Dans 2 Rois chapitre 17, il dit parce que nous désobéis, les peuples sont arrivés dans la terre promise. Josué est arrivé en l'air. Il dit non, Josué était vieilli, il était avancé en âge. Gen bataille, il pas de fin fait. À cause de cela, peuple là lui-même, il pas chassé tout ennemi qui était habité sous terre. Il était quitté quelques cananéens qui étaient infiltrés parmi eux. Et ces cananéens ça yo, qui étaient contre une série de pratiques vaudou, pratiques idoles, passer petit Dieu dans du feu. Et de là, parce que tu as passé petit dans du feu, peuple Israël là qui sorti en esclavage, les copier modèle ça yo, les commencer passer petit dans du feu tout. De là, bon Dieu t'est fâché. Il t'est tout de la face lui, il baï dos à peuple Israël là. Non seulement peuple là t'est divisé en deux royaumes après le règne de Salomon, mais tous les deux royaumes yo t'es allé totalement en captivité vers l'Afrique à cause de notre désobéissance. Même si c'est désobéissance par an, nous payons les conséquences là de toute génération qui vient après nous. Mm-hmm. Ok? So, c'est sacrivé qui fait que nous n'avons pas à côté de nous. C'est punition à payer parce que nous désobéissons. Et jusqu'à maintenant, Pepe Haïti a. Nous pas différents de ancêtres nous. Nous fait plus mal. Nous plus criminels. Nous fait plus mal devant la face de l'Éternel. Nous pas attendre. Bon Dieu a brûlé de nous refuser de retourner.
tout en nous pas retourner vers l'Éternel, Haïti fait commencer à prendre calme. C'est retourner vers l'Éternel si nous voulons Haïti corriger. Si nous voulons Haïti respirer dans notre air, nous devons retourner. Et si bon Dieu, on capable dire en effet, bon Dieu toujours qui t'ai en porte ouvrie pour Haïti restaurer parce que lui établit 12,000 missionnaires dans pays là. Lui voyait yo baptiser mon petite li a, peuple li a. Lui voyait dal baptiser yo. Pour nous baptiser yo, plonger yo, c'est pas qu'une forme de baptême. C'est baptême plonger dans l'eau. Et puis lorsqu'on levait ou lever pour une nouvelle vie avec créateur là. Pour qu'on puisse garder commandement bon Dieu à la lettre, j'en demandé. Ou pas garder commandement yo parce que on croit c'est commandement yo qui a sauvé ou. Mais on garder commandement yo parce qu'on déjà sauvé parce que Jésus offre le salut. Mais bon Dieu, Jésus qui te bail là tout. Il dit comme ça que tout quoi faut baptiser. Elle te bail disciple Lord pour y aller baptiser peuple là. Et puis, pour baptiser au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis enseigner, c'est dans le niveau ça nous est actuellement en Haïti. On forme près de 750 églises déjà. Ça va la continuer avec chaleur, avec éloquence. Chaque jour, l'Éternel a baptisé près de 2600 monde souterrains. Hein? Par jour, 2700 dans mitan semaine là. Yo te ba un jour yo te baptisé quantité moun sa yo. Donc 11 groupes missionnaires qui couvrent 11 villes différentes. Côté que ça seulement y a fait kounia c'est baptiser moun. Pendant 2 ans nous t'a prêché kounia c'est baptiser moun, marquer du sang tout petit Yahweh yo et mener dans royaume ni. Tu pas gagner son enfant. Ou a tendé parler de Nouvelle Haïti, on pas pour elle. On pas rentrer dans Nouvelle Haïti. C'est seul monde qui scellé du sang de l'Éternel, qui baptisé qu'a rentrer dans le royaume d'Haïti, dans la Nouvelle Haïti. Est-ce que retour est vers l'Éternel dans son condition sine qua non obligé à aller quand même à joindre parce que li barbide li dit au café choix ou gen moun ki capable comprendre ni comme ça et m'pas croire que est-ce que retour vers l'Éternel là son condition sine qua non lorsque nous considérons que Dieu créateur ba on ba yo le libre arbitre li dit qu'a choisi sauver on parler pour baptême non 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 moi dis est-ce que retour vers l'Éternel là son condition sine qua non ni est-ce obligé aller puisque Dieu créateur ba libre arbitre. Retour vers l'Éternel, peuple a dû retourner. Si peuple a pas retourné, il a pas fait partie de Nouvelle Haïti. Mais bon Dieu, te promet David, il te promet Abraham que la gain égal pour descendant yo, pour peuple ya, pour petit yo. So, puisque nous sommes les enfants directs d'Abraham, nous ce peuple Israël là, petit Jacob yo, nous a bénéficié bénédiction Abraham non. Bon Dieu a restauré Haïti quand même avec où ou sans où. Même nous t'a rené ouais que tout peuple haïtien t'a obéi. Mais nous rebelles superlatifs, nous pas tendé, mais ça a prêché, nous pas tendé. Et nous pas quoi, nous pas quoi dans message là, nous pas attendez, c'est ça le problème d'ailleurs. Bon Dieu voulait sauver tout le monde, c'est ça qui fait susciter 12,000 missionnaires pour aller chercher tout le peuple à porter Bali. Si nous pas rentrer, c'est pas faute bon Dieu, c'est choix pas nous, c'est choix personnel nous. Mais la porte grâce là ouvre jusqu'à maintenant. Bon Dieu t'es qu'à guetter le toit Haïti déjà. Mais bon Dieu, ouvrez porte de grâce là. Jusqu'à maintenant, vous seulement besoin d'accepter le message des 10 commandements. Qui seul message qui souterrain à te connaît, qui pour retourner le peuple rebelle ça, vient jouer le créateur lui. Et puis pour l'obéir, la gueule nommée l'Éternel, baptiser,
garder ses lois, fêter ses fêtes, parce que l'Éternel a 7 fêtes, c'est pas seulement sabbat, sabbat c'est première fête de l'Éternel, mais il y a aussi 7 autres fêtes que nous devons accepter pour nous pratiquer, et ton peuple Israël, des mon cap dit, yo sous la nouvelle alliance, Jésus mourit, yo pas besoin d'observer fête yo encore, mais l'Éternel dit, c'est pour tous vos descendants. L'Éternel dit, l'Éternel a une ordonnance. Et puis il dit, c'est pour tous vos descendants, de génération en génération, nous devons garder fête l'Éternel. Le sabbat, c'est pour toutes vos générations. C'est pas pour une période. Et puis on l'est après Jésus-Christ mourir pour penser que tout le bagage est fini. Non! Il y a des gens qui ont posé vos questions, qui ont dit que nous ne sommes pas sous la loi encore. Moi dit OK, nous pas sous la loi encore. Qu'on y a là, nous capable faire adultère, pas vrai? Nous capable pas debout. Nous capable voler bien. Par la loi, puis il a dit, on fait ça nous voulons. On vit tant pour en meli melo. Chaos! Par la loi. Mais qu'on nous paye par la loi non? Et pour le tel est d'abord royaume, pour royaume lié par la loi. Parce que me sous la grâce, ça veut dire me sous la grâce par la loi. Après Paul dit, est-ce que parce que nous sous la grâce, nous ne pouvons pas obéir à la loi? Nous ne pouvons pas obéir à comment nous poser encore? Apôtre Paul dit, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Parce que sous la grâce, c'est là que ça m'a gardé la loi. La loi pas opposée à la grâce, ni la grâce pas opposée à la loi. Il n'y a pas en concurrence. Parce que je connais la loi de l'Éternel. M'a gardé la loi de l'Éternel, c'est ça que bon droit pour vivre. Ça couille mon libre. L'aime violer, moi bon Dieu, moi pas libre encore. Même grâce à m'a parler de l'IA, il pas là encore pour moi lorsque moi désobéis aux lois de l'Éternel. Est-ce que restauration haïtien li passé et par Dakadi par une possible catastrophe? Est-ce que li passé par condition ça? On comprend? Autant de okay, questions. C'est ça fait que nous dit que moun qui rebelle qui fait courade avec commandement l'Éternel yo qui refuse tant de messages dit commandement et mettre en application, l'Éternel pas qu'un choix l'a obligé passer au jugement, et dans jugement ça c'est catastrophe là a une grande catastrophe qui vini. Des moun qui dit bon Dieu son Dieu d'amour, il pas fait catastrophe, mais bon Dieu son Dieu saint, il pas qu'à tolérer le péché non plus. A gien catastrophe coûte que coûte, a gien catastrophe pour ça gien courait Dieu, ça refuser obéir yo, ça qui pas gien soa. Depuis bon Dieu passé là ou a passé dans catastrophe. Gien moun qui font vision li wè ke moun ki refize tande yo ange bon Dieu, même lorsque y a couru chapé oui pour y ta bote sou bon ange bon Dieu a piqué yo la gè dans de l'eau. Nan catastrophe sa gen gros de l'eau pral monter, c'est bien ça sa bon Dieu te voye nan l'annonce peuple li a li di gros de l'eau pral monter, te a pap suspend trembler, et nous est signe dans ciel là qui montre nous que l'Éternel pap joué. Nous quoi nous passer même 6 tremblements de terre qui gagne niveau 4.2, tout c'est pour dire que l'Éternel dit pas jouer. C'est une série de petites invitations pour que nous car retourner vers l'Éternel, pour que nous suspendre faire courir. Bon Dieu a relé nous peuple haïtien sabbat dernier, l'Éternel baron signe dans ciel là, tu as un gros couronne qui déparaît dans soleil là sur le côté d'Haïti pour bon Dieu dit que catastrophe la fait quand même. Depuis nous refuser obéir à volonté bon Dieu ya, c'est pour catastrophe. Nous n'a pas baqué. N'a continué à débat sœur Unide de garçon n'a pas blossé grand prêtre royal et gen pile prophète qui parle, gen faux, gen vrai, même pas connait, même pas ka identifier ça que vrai, même pas ka identifier ça que faux prophète yo, et de m'identifier ou non, puisque yon a chuté sous l'autre, hein, c'est la guerre des prophètes. Là, et m'ta ka dit prophète yo a fait guerre entre yo, et
Bah connait comment aider moi ça prophète dis ça bon prophétie ça fausse prophétie. OK. Satan toujours à copier ça bon Dieu fait. C'est ça que fait il dit dans les derniers temps l'esprit de faux prophète a existé. A gain en pile antichrist. A bien plus mercenaires, faux bergers dans nos églises. Gè l'église où passé où est, moun yo a frappé tête moun la gè à terre. Gè côté yo bon ti sachet de l'eau. So, tout ça yo, c'est l'exercice du faux prophète. Faux prophète là, il sorti kay diable là. C'est le diable lui-même qui inventait l'esprit de faux prophète. En Haïti, pour créer en plus confusion, pour peuple éternel là, pas retourner au bercail, pour pas retourner vers créateur, sur lui implanter en Haïti, yon bon faux prophète. Et c'est faux prophète ça yo, qui bloque peuple là, pour la jeune vraie créateur là. Par exemple, l'ennemi yo, lui utilise même le nom de Dieu, lui dit que, c'est lui-même qui Yahweh. Lorsque l'ennemi a pris nom Yahweh, peuple a même li courir en foule. Li parti derrière faux prophète sa yo qui dit que c'est yo qui Yahweh. Ça son problème. C'est message moun yo pote ba oua, d'après la Bible ou ka analyser message là pour dire est-ce que c'est bon prophète qui a parlé ya? Est-ce que c'est faux prophète qui a parlé ya? Nous-mêmes avant ou t'es capable de réaliser nous tout parce que faut souder message qui vient de nous c'est pour est-ce que message nous porte ba oua selon les écritures si message a pas selon les écritures ou pas capable accepter moun ça comme prophète de l'éternel c'est pour souder tout message a porte ba ou même qu'après recevoir message tout ou doit aller devant l'éternel pour faire 3 jours de prière. Pour moi, de si message li a, si message sa sorti de lui-même, est-ce que c'est lui qui a parlé? Ou pas juste pour un message comme ça, et puis vous parlez devant le peuple là, vous dites l'éternel dit. Non, c'est pour connaître, pour sonner, tester, pour connaître qui est-ce qui a parlé avant là, pour moi, est-ce que c'est l'éternel qui a parlé? Faut elle fait 3 jours de jeûne. Ça te fait, d'ici pas lui, fait 3 jours de jeûne, tout oui. Gédé sur Satan qu'on a parlé dans la télévision. Quand Satan veut faire 40 jours de jeûne, oui, pour capturer le maximum de peuple que possible, oui, pour Satan. Et puis là, qui est maximum de monde que vous avez besoin? Satan gradé, il a trop fait, oui, parce qu'il fait un bon travail pour Satan. Pour qu'il fait un bon travail pour Satan, il a fait 40 jours de jeûne, tout. C'est même jeune nous-mêmes. Il fait 3 jours de jeûne. Al devant l'Éternel, mande si message sa yo sorti de li. Par exemple, en Haïti, nous recevons un pile faux prophète. Faut nous gen message nommé presque 9 à 10 faux prophètes. Il y a moun qui pose question ça. Comment faire contre faux prophète yo? Comment faire facile pour vous pour dire est-ce c'est faux prophète? Mais facile parce que la Bible nommé nous. La petite la Bible depuis plus de 40 ans, depuis à 8 ans d'âge, dans la Bible. C'est normal pour qu'on ait un message faux prophète. Par exemple, l'Éternel dit, n'a pas de royauté en Haïti. Il y a un prophète paraît, il dit, élection. L'abdou qui est-ce qui va le président? L'abdou madame X, madame Y, pour le président. L'abdou c'est élection, c'est élection qui a gagné. Mais tout message ça yo là y aller à l'encontre de ça l'Éternel dit. L'Éternel dit royauté et l'Éternel dit l'a restauré à David dans Psaume 89, il l'a restauré à David yo royauté. Et l'Éternel bail les 12 000 missionnaires royauté. So, côté yo joindre que c'est président. Et tout le monde ka wè que sous terre Haïti a, c'est impossible pour gagner élection. Pas jamais gain élection impossible. So parole l'Éternel dit à royauté a, c'est lui qui vrai et c'est royauté n'a gagné sous terrain Haïti a.
on l'autre prophète paraît li dou pour venir agenouiller devant. Non prier, c'est lui pour garder pas garder dans ciel là, pas garder en l'air. Pas faire mes jours pour adorer bon Dieu en esprit en vérité pour garder en l'air, c'est sous lui pour fixer ou. Fixer sous un homme, ça c'est le diable qui parle. Comment faire fixer sur le monde pour parler pour l'Éternel? Non, pour prendre place l'Éternel, pour prier bon Dieu en esprit et en vérité. Fixer les yeux sur bon Dieu, fermer les yeux, concentrer sur bon Dieu là, adresser bon Dieu là, parler à bon Dieu. Je n'ai pas besoin de rien même, je n'ai pas besoin de mouchoir rouge, je n'ai pas besoin de tigo de l'eau, ni pas besoin de sachet de l'eau, je n'ai pas besoin de statue, ni un chapelet, je n'ai pas besoin d'un portrait saint devant, je n'ai pas besoin de rien même pour m'adorer bon Dieu maintenant, en esprit. Et en vérité, c'est comme ça pour m'adorer, bon Dieu, mais pour qui ça pour fixer sur un monde? Ou bien agenouiller devant un monde? Là, Apocalypse, on étudie l'histoire de Jean, disciple Jean, lui, devant un ange qui vient secourir pour parler explication de un songe qu'il fait, pour expliquer ce songe-là. Jean descend à genoux pour l'adorer, ange là. Ange là dit, moi c'est un compagnon de service. Pas faire ça, pas descendre à genoux pied pour adorer, parce que son compagnon de service. Qui doit un monde en Haïti pour réclamer adoration? Ou pas doit réclamer adoration? C'est seul l'Éternel. Jésus-Christ est accepté ou adoré, parce que Jésus-Christ est Dieu. Bon Dieu, m'a dit pour nous adorer en esprit et en vérité. Bon Dieu nous enseigne. Il m'a dit pour nous capable approcher de lui, que yo capable sanctifier yo, pour yo purifier yo, pour yo approcher de l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. C'est le plus saint. Nous devons purifier nous juste c'est pour nous revêtir nous de justice de Jésus-Christ avant que nous approchions nous de Yahweh. Et ainsi, la accepter nous la présence li. M'a dit pardon pour tout péché nous. Et puis approcher nous de Yahweh. C'est pour ou pas besoin de voir aucun monde. Ni pour m'a dit pardon pour péché. Ni pour agenouiller pour jouer une grâce devant lui. Aller tout droit devant l'Éternel. Parce que Jésus-Christ déjà servi l'intermédiaire par sa mort. Jésus-Christ unit nous au Père. Pas de pièces monde sur la terre. Qui doit venir prendre place l'Éternel. Ou bien prendre place Jésus-Christ. Pour Dieu, ce n'est pas lui-même pour passer, pour arriver sur Yahweh. Non. Nous ne pouvons pas passer ni par la mère, qui aurait la Vierge Marie, ou la femme noire. Tout ça, c'est Tite Zili. Ce n'est pas un mari vrai. Marie a enterré déjà depuis 2000 ans. C'est tout droit. Vers le Père à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le pont hein, qui unit nous avec Papa. So, déjà, il y a un monde qui a dû venir adorer. C'est un faux prophète. C'est contre la Bible et Antichrist. Est-ce que le monde qui est faux prophète là, est-ce qu'on connaît lui-même qui est faux prophète? Est-ce qu'on connaît ses diversions là fait? Parce que des fois, soit dit faux prophète là, ou même on est son bon prophète. Et puis il dit, bon, dans la déclaration, il dit, son faux prophète. Par contre, si vous comprenez ça, je vous dis, vous avez un bon prophète, soit dit faux prophète, là, vous avez lui-même dit, comme un faux prophète. La clé où on est, dit, bon, ça y est, son faux prophète. Comment comprendre le débat ça? Faux prophète, là, pas qu'on est un faux prophète. Il n'est pas accepté pour relever le faux prophète. Parce que, il est sous la dictée du diable. Diable, là, il prend, il entoure, lui. Même lorsque l'Éternel a parlé avec elle, il n'a pas attendu. Il est aveugle. Parce que le diable a rendu aveugle. Il n'a pas connu le faux prophète. Ou pensez que moun qui dit ou besoin quatre femmes pour le capable venir roi dans le pays. Par exemple, ça son faux prophète. C'est parole qui compte la Bible. Parce que la Bible, même nous-mêmes qui l'homme, nous pas enseigner
moun pou gen plusieurs femmes. Si bon Dieu t'a bay plusieurs femmes, il t'a fait des multi Eve. Il t'a fait plusieurs Adam. S'il te besoin en femme, t'a gen plusieurs nèg. S'il te besoin nèg gen plusieurs femmes, il t'a fait même 7 Eve. Pour Adam. Mais t'a fait un seul Adam. Un seul Eve. Ça dit nous que bon Dieu nous hein, c'est monogamie, pas polygamie. En seul madame, en seul monsieur, en seul mari. So, un prophète qui vient sous nous, qui dit, il besoin de 7 femmes pour le diriger Haïti. Et puis, ça qui mal là qu'elle dit, qui est risible, qui dit, toute une femme n'a pas vu une jeune ni. Il n'y a pas faire rien pour Haïti. Oh, qui pour voir les hommes gagner comme ça? Pour dire, c'est yo pour le délivrer Haïti. Pour pas le délivrer Haïti. C'est l'Éternel seul qui a délivré Haïti. Un exemple, l'Éternel dit, Paléa l'a crasé. Il y a un conseiller bio qui te fait vision ça. Il y a un gros bot sous tête Paléa. Et bon Dieu dit, il m'a crasé l'édifice ça. Et l'homme crasé, il n'y a pas de monde qui a reconstruit. Kounia, c'est seul bon Dieu qui a délivré Haïti. Parce que yon la coude qui a délivré Haïti, c'est l'Éternel. Pour Abdel dit, c'est l'elge cette femme yon, la kafe yon bagay pour Haïti. Ça sont dégâts li manke pep bon Dieu a. Bon Dieu, li même seul qui a restauré Haïti. Wapsu Blocus, on a rappelé invité aujourd'hui en un Blocus, c'est grand prêtre royal lan qui s'est uni de, en fait, uni de garçon, c'est lui-même nous gagne avec jeudi hein. Nous allons observer première pause commerciale là, autre après la pause, n'a retourné sous l'évangile de Dieu hein, du créateur là et li chita sous qui ça ou bien le reposer sur quoi parce que là parlé de l'évangile de Dieu et n'a pas regardé pour nous est-ce qu'il y a plusieurs types de l'évangile par exemple faux prophète là lui-même ouais il parlait la bas référence la Bible a expliqué la fait la prêcher la bas enseignement est-ce que il y a plusieurs types d'évangile n'a pas la question ça et comment quand on est au monde a servi bon Dieu tout bon vrai ben autant d'éléments n'a gagné pour n'aborder au retour après la pause. Pas oublier Blocus pour célébrer et 9e année d'existence ou nous abonner c'est le 15 au prochain. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus. Pas oublier tout à coup me dire abonner avec Chanel Pamnan qui c'est Pierre Richard Guillaume Info Chanel YouTube moi gagne un exercice m'a fait avec YouTubeur nous à YouTubeur nous yo nous souhaiter que dans un mois pour nous dem et gagner 5000 abonnés. M'a regardé si rêve ça a vu une réalité à concrétiser. Et bien, merci de votre fidélité. C'est l'heure de la pause commerciale. N'a pas tourné tout de suite après. Merci infiniment de votre fidélité, merci de votre intérêt. N'a pas rappelé ou à suivre votre émission imbattable qui c'est Blocus, les diffuser, l'on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité aujourd'hui, vous connaissez déjà, c'est la sœur Eunide Garçon. C'est lui-même nous gagne aujourd'hui et comme invité dans Blocus. Avec lui, bien entendu, n'a parlé de l'éventualité d'une catastrophe en Haïti. Une catastrophe qui vient pour frapper Haïti, bien entendu. Et ces catastrophes, ça dit-elle, qui peuvent enclencher processus développement durable pays d'Haïti, développement économique, développement social, avec développement culturel. Avec les taux, on a parlé de rétablissement et ou bien restauration d'Haïti. Puis le fondement de l'évangile de Dieu, c'est tout ça on a parlé avec elle. Mais avant de continuer à débat, on a prêté dans Rubik Noir qui c'est Blocus Publicité, n'a faut qu'on ait et Rubik ça visé à faire la promotion
des petites et moyennes entreprises de pour gonti publicité ou ta aimé nous parler de li ou ta aimé nous bonne visibilité. On seule démarche pour faire c'est contacter maintenant et numéro WhatsApp moi 37 62 47 95 37 62 47 95 37 30 60 79. À titre d'exemple, amis, nous connaissons un problème spirituel et problème mystique ou rien. Faut souffrir en pile, faut souffrir en pile. Et lui-même, faut décourager avec la vie jusqu'à ce que vous déclarez la vie pas gain sens pour sous bout de ça. Ou connaissons, amis, pas gain problème dans la vie qui pas gain solution. Ou connaissons tout, la pluie pas foutu, fait mille ans pour la tomber. Pas jambes gon, on nuit qui pas gon matin de yel. Eh ben, et dans sens ça, et sous sans souvent envoûté, zafo pap mache, ou apote yon kwa soudo, pap prend temps contacter clinique spirituelle gourou Roustan Vital, qui c'est yon docteur. Alors Roustan Vital, li son docteur et nan magie, li c'est tout, kabbaliste, c'est ça fait, li gen compétence à camper l'expérience pour le faire, bon ben chance pour même, et de jeune et solution et de résoudre problème ou gagner dans foyer ou ak problème l'amour et à mel ka ido tout retirer mauvaise énergie ko gen la kay. Donc dans sens ça et pour toute information ou capable reler en fait clinique Roustan Vital dans 203 667 1472, ça c'est le numéro là. Pas oublier Roustan Vital tout, ou capable écrire sur adresse électronique client qui c'est Bambanoli, c'est Vital et en fait c'est oui c'est www.vitalspirituelclinique.com. C'est www.vitalspirituelclinique.com. Ou gagne tout, ou ka écrire non, ou ka écrire tout sur adresse ça qui c'est gourou. Gourou a écrit G-O-U-R-O-U, Gourou Vital, c'est à commercial yahoo.com. Et puis, l'autre côté, sous ta aimé, vigne plus connaissance mystique. Et bien, dans ce sens, ça m'a invité à aller dans la librairie, et librairie sans frontières, côté Wabjoun, en pile livre mystique, et baleine, l'huile mystique et la trier. Et bien, il est gourou Claude Camille lui-même, dans 203-556-76-48. Pas oublier, l'aura vive, c'est les ouab bien vive. Ça, c'est et expression, d'accord, dit citation clinique, là, clinique spirituelle que le gourou Roustan Vital a dirigé. Ou toujours, et dans la rubrique blocus publicitaire, ou sent ou malade, ou par contre cause maladie ou là, maladie ou gen a maltraité ou, et presque voyé ou nan pays sans chapeau, et n'a invité ou à chercher fond check-up, à chercher fond traitement à guérison dans la polyclinique de Fragnoville, et qui chita kol nan Delma 75 en face Plaza Publin. Alors, dans la polyclinique de Fragnoville que moi référé là, me conseille aussi là pour aller à, eh bien, pas un service médical qu'on a besoin, qu'on pas besoin ni la donne. D'ailleurs, grand groupe docteur professionnel, infirmière, technicien, laboratoire et la trier qui a supervisé par le docteur Edgar et Jean-Baptiste, même qui c'est chirurgien général, ensemble de professionnels, ça a pris engagement pour de joindre traitement à guérison dans le domaine ça yo moi pral citer là tant qu'au chirurgie générale ou gain pédiatrie ou gain obstétrique gynéco ou gain ORL de vous dire ORL de ou gain moun la caillou qui malade dans oreille nan ni à gauche et ben c'est dans polyclinique de Fragnoville pour menel ce gain un service orthopédie tout et ben l'autre dit orthopédie ça veut dire que depuis moun nan gain problème zo cassé té sous moto li font fracture etc et ben c'est là pour l'aller. Et dans ce sens, la polyclinique de Fragnoville, il y a tout un service et laboratoire et côté où on est capable de faire toute qualité examen que besoin. Avant tout, en dans polyclinique là, une pharmacie qui c'est pharmacie Iris côté ou capable acheter tout médicament docteur ou t'a prescrit. N'a tout annoncé et polyclinique de Fragnoville gon spécial et une spéciale consultation qui gagne plusieurs têtes
à bon marché de pour profiter de spécial ça la bon pour ou sou gen problème yeux ou capable bénéficier du spécial ça sou gen problème dentaire ou gen toute qualité problème dans don ou capable bénéficier du spécial ça sou gen problème m'tap di maclouclou et puis ou gagne bec sous pignon et ou capable bénéficier du spécial ça. Cependant ou gen problème et yeux ta remen lunettes gon 30% rabais y a fait pour même dans sens ça même pas oublier que ou a joine lunettes qui pour faire venir pib clé nan et optichique qui trouvait dans même local à polyclinique de Franeville là. Mais numéro de téléphone pour nous Léo pour nous les polycliniques là c'est 38 88 19 73 38 88 19 73 ou bien encore 33 15 50 04 n'a pas rappelé polyclinique de Franeville Chitacol dans Delma 75 en face Plaza Publin. Ou toujours à suivre blocus publicité ou gain problème santé ou bien toute maladie dans dingon ou tant coup et ton boucher fibrome kyste ovarien kyste dans ovaire diarrhée douleur régulière c'est l'estomac achmilori dépression folie pierre hémorragie perdition rhumatisme hémorroïde infection vaginale tuberculose coronavirus ben pas prend temps à chercher métaux en santé dans laboratoire à pharmacie remède naturel pour Carola pas vin pi grave et pour ti souffre pas coupé laboratoire pharmacie remède naturel qui a dirigé par le naturopathe maître Jacques Seus Joseph a traité ou naturellement et médicinalement contactez maître Jacques Seus Joseph naturopathe là na la Martinière Bois Vernard tout collé à Couelberne dans local Gilles Médical mais numéro téléphone naturopathe là maître Jacques Seus Joseph c'est 31 06 51 19 et puis WhatsApp lien c'est 92 92 36 76 48 et puis l'autre côté et M. Jackson Joseph annonce nous nous avons déjà les bons produits qui bon en pile pour monsieur qui gagne problème banyo et ben produit ça et les libido force lui là des pour fin achetel nan même Jacques Joseph mais ça va faire ou a passer dans périnée dans testicule à glande surrénale et puis bâton chocolat ou demet dit ou prêt pour le grand combat donc contacter et pharmacie et remède naturel que en fait naturopathe et M. Jacques Joseph a dirigé pour capable et donne sens ça. Et puis enfin, toujours dans la rubrique Bocus Publicité, Frère Max, ce moyen, nous connaissons les difficiles en pile pour nous vivre sous bout de ça, pour ne pas taper souffrir à qui une maladie ça y est, moi, pour le citer là, tant que sucre, tension, cholestérol, gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratel, mauvaise haleine, garçon qui gagne et en fait problème prostate, mesdames qui gagne et fruit du haut, mais nous connaissons si nous croisons bras, nous ne pouvons pas chercher solution, ces maladies ou gagne, qu'à vous en battez, eh bien, comme ça, naturel, prévention, LLC, qui croit que la vie chaque monde est important sous bout de ça, prend engagement devant Bondi avec l'histoire pour les deux jeunes traitements avec maladie qui a plongeau là. Naturel prévention LLC qui se compagnie qui a vendu produit qui fait à base moinga depuis plus passer 12 l'année dans communauté haïtienne là dans state Floride là pas dans ses collés avec maladie et pas jamais négocier avec maladie qui donc des produits naturel prévention LLC ou des mais dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa vin pile le garçon qui pas gain banyo naturel prévention LLC pour le former tes garçons pour qu'avoir kachapika devant derrière ce pendant moun ki fait maladie sucre tension cholestérol asthme gaz acide infection gratel mauvaise haleine et la trier naturel prévention LLC a ba nou solution et a casser dans toute maladie nous gagne contactez ce matin. Ce matin, c'est lui-même qui a dirigé Naturel Prévention LLC. C'est ce matin tout et qui a dirigé compagnie qui vend produits moinga. C'est ce matin tout lui-même qui préparait un ensemble de médicaments miracles qui est capable de faire un traitement à guérison à ensemble de maladies. M'sout cité là, yo. Et puis ce matin tout, et n'a faut qu'on ait, il mettait dehors deux produits qui efficaces en pile, qui a aidé à faire face à coronavirus là. Et puis avec épidémie grippe à fièvre là qui gagne un et ben non produit ça relé moinga bidose moinga détox et ben connaît si malade même si n'poko malade et l'aine malade m'a invité nous relé ce matin dans numéro téléphone ça yo qui c'est
754-281-0348, 754-281-0348. Nous avons écrit ce matin tout dans www.lasantecelavie.com, www.lasantecelavie.com. Pas oublier nous qu'à placer hors de nous et Naturel Prévention LLC à shipping pour nous. Tout côté nous y est dans le monde là. On nous dit ensemble, vive Naturel Prévention LLC pour nous qu'à rester en santé. On vous l'a déjà dit, invité aujourd'hui, hein, c'est Sœur Eunide Garçon. Sœur Eunide, n'a pas continué à débattre, n'a fait là, nous pas regarder l'autre élément. L'a parlé de l'évangile de Dieu. Est-ce que l'ichita sous qui ça, l'y repose sous qui ça? Et qui fondement l'évangile là même? Ça l'a donné. Et puis est-ce que il y a plusieurs types de l'évangile? On a pour réponse. C'est un plaisir pour nous retourner à nous. L'Éternel voulait pour nous concentrer sur le message. Li. Matin, il y a plusieurs missionnaires qui bon message qui ça l'Éternel voulait pour le peuple y attendre. Nous-mêmes, ce c'est pas chaud, si bac, nous c'est nous qui nous venons présenter. Après le message là, oui. D'accord, non, d'accord, excusez-moi. Ma petite rentrée, font si bac seulement parce que trois vini devant écran. D'accord, ça va. Ok, vous devez continuer. Vous devez continuer, excusez-moi. Ok, so, quand Dieu voulait pour le peuple y attendre des paroles, attendre des messages, c'est bon Dieu même qui voulait réconcilier le peuple avec lui. Nous pas n'importe monde, mais c'est le peuple Israël là. Bon Dieu voulait chercher nous. Il voulait nous retourner vers lui. Bon Dieu relève. Son Josué. Par contre, si nous comptons qui roi Josué était joué pour peuple Israël là, job moi, c'est réconcilier nous avec Créateur là. C'est faire route là avec nous et traverser dans la nouvelle Haïti avec nous. C'est notre deuxième exode là, nous y est là. Peuple Israël là, t'es passé en premier exode. Aujourd'hui, nous dans deuxième exode là. Bon Dieu, dis-nous. Si peuple y a, il dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons nécessité pour bon Dieu guérir pays nous. Mais c'est nous qui campons bénédiction nous. C'est nous qui campons délivrance nous. Parce que nous tardons pour nous retourner vers le Créateur là. Nous n'avons pas l'autre choix. C'est soit nous retourner ou bien nous mourir. Catastrophe là vini pour rébellion. Mais c'est tout petit bon Dieu. Retourner vers l'Éternel. Nous pas mourir dans la catastrophe. Bon Dieu, pas quitter nos péris. La protéger nous. Bon Dieu dit la protéger nous. Et peuple bon Dieu a qui gaillé dans tout coin. Bon Dieu veut rassembler peuple là. Il dit dans Ézéchiel 37 verset 21, il dit: "Dis peuple moi que je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts." Et je les rassemblerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations. Nous pas deux royaumes divisés, royaume Juda et puis l'autre royaume qui est situé à Samarie. Mais bon Dieu dit, il y a un seul royaume. Un seul. La fè nous fait yon seul. C'est ça que bon Dieu dit. Pas de religion en Haïti encore. Religion a éliminé sous terre Haïti. C'est peuple Israël là. Bon Dieu pas l'établi en Haïti là. Bon Dieu dit. Tout petit Haïti yo seront des fils de l'Éternel. Si bon Dieu dit, vous serez tous des fils de l'Éternel. Vous serez tous. Enfant de l'Éternel, n'a fait volonté, n'a obéi à ça, dit nous. Nous pas désobéi, bon Dieu, encore. Bon Dieu dit, n'a si tellement obéi.
non si tellement tout, tout après les petits qui les dit voici mon Dieu et puis l'a dit voici mon peuple n'a déclaré mon Dieu et l'a déclaré nous mon peuple mon Dieu jaloux pour peuple Israël là il veut restaurer nous il dit il pas bailler David menti l'a restaurer nation David là so bon Dieu dit ils ne se souviendront plus par leurs idoles. Idoles pas exister dans nouvelle Haïti. Pas gagner abomination encore. Nous pas transgresser loi l'Éternel encore. Bon Dieu dit, je les retirerai de tous les lieux qu'ils sont habités où ils ont péché. La retirer nous dans toute ville, dans toute la nation côté que nous éparpillé. La ramener nous toute la caille nous. Bon Dieu dit, l'a restauré nous. L'a formé un seul peuple avec nous. Bon Dieu dit, dans Ézéchiel chapitre 37, verset 24, il dit, mon serviteur David sera le roi. Son façon de parler. Est-ce que David a vivant encore? Mais descendant David, yo, petit David, yo, c'est lui qui peut diriger le pays. Bon Dieu a restauré la nation Israël. La maison d'Israël sera restaurée. Ou même, petit Jacob, ou même, petit Abraham. Est-ce qu'on a perdu l'occasion ça? Nous souffrons assez pour que nous héritions la nouvelle Haïti. Pour que nous obéissions, papa nous, à saldi nous, pour nous faire volonté, pour nous obéir. Il dit que ça nous pas jamais briser la loi encore. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Dieu me dit, par contre, qui terrain Haïti est. Haïti, son terrain spécial. C'est après la délivrance d'Haïti, la connaît qui terrain Haïti est. Qui terrain nous habiter sous lui. Bon Dieu dit, la restaurer nous. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Il dit, la rétablir nous. Non place nous, la multiplier nous et la placer sanctuelle. Non mettons nous. L'Éternel dit, n'a pas formé un seul peuple. Un seul peuple, un seul temple. C'est temple de paix cap au milieu du peuple Israël. Il dit temple nous va former, nous va construire. Il va prendre 100,000 adorateurs. Pour top prendre 100,000 adorateurs, c'est un temple qui plus grand passé d'homme Georgia, qui plus grand passé d'homme qui gagnait à Texas, ok? So, pour moun qui te visite de lieux sa yo, nous connaissons qu'on prend 75,000 adorateurs à la fois, mais Haïti, nation bon Dieu a restauré ya, n'a pris 100,000 adorateurs dans le temple ya, elle va non pour yore le temple ya. Qui le restauration ça? Le temple de paix. Bon Dieu a formé un seul peuple sans la religion, en dehors de la religion, pas de adventiste, méthodiste, pentecôtiste, pas de tout nom ça, yo baptiste, yo pape existe encore. L'église catholique, pape existe encore. Tout a cabas sous terre Haïti, c'est peuple Israël là, même je nous te vois Israël dans le passé, qui te gagne top là, au milieu, au beau milieu du peuple. Peuple a été 12 tribus, été établi tout autour. Et puis au bon milieu, il y avait le temple. Ce bon Dieu a gagné un seul temple. Mm-hmm. Temple de paix. La religion a disparaître. C'est un prévu de la nouvelle terre que Haïti va y être comme peuple, peuple des Israélites. Qui est concrètement restauration ça a fait? Est-ce que. Parité joue encore? Est-ce que vous avez une date dans tête ou est-ce que vous avez un mois pour restauration ça? Est-ce que c'est année ça ou bien est-ce que c'est bah, qu'on est l'année prochaine? Ok, bon Dieu dit en bas 13 là, la délivrer Haïti. Pour moi qui a un problème avec, là m'a dit bon Dieu dit. Bon me rappeler, bon me rassurer que message nous yo fondé. Nous sommes fondés dans la Bible, mais nous gagnons les missionnaires qui recevront
révélation dans l'Éternel. Et chaque temps recevoir révélation, ce sont des révélations testées. Ce n'est pas un seul monde. Ce n'est pas un show. Ce n'est pas un seul monde dans la tête. Li. Mais bon Dieu, suscité des milliers de missionnaires. Et les gens ont vision. Et pas seulement une vision en Haïti aux missionnaires. Même à l'étranger, bon Dieu, une vision. À petit li, à peuple ya. Dernière fois, avant de fêter la Pâque, bon Dieu suscité yon moun sorti juste Texas pour aller visiter missionnaires sous terrain, en plein travail sous sentier yo, et porter pa yo, façon monétaire, moyen financier, pour être capable de fêter la Pâque. Après, semaine ça même, bon Dieu voyait yon l'autre visiteur, yon l'autre missionnaire, pour aller visiter serviteur yo, servant qui yo souterrain, pour ça y a fait, et pour encourager yo notre travail yo. Missionnaire ça, li sorti Washington DC, depuis un week-end dernier, li avec missionnaire yo. Li reconforte missionnaire yo, parce que li bayon des messages. Message yo te connaît déjà, li répète le pour yo. Et puis, bon Dieu, révélez tout ça qui va passer dans Nouvelle Haïti. Tout leader Nouvelle Haïti. Bon Dieu, parlez de moun qui a prié, moun qui a travaillé, ça y a fait, portion. Et moun yo supposé prier plus pour yo parce que yo gen pile ennemi en bas, en pile conflit sous terre. Li aide yo. C'est comme si missionnaire était en présence, bon Dieu, vite visiter yo. Lorsque yo missionnaire sorti juste. Du côté de Texas, yon l'autre du côté de Washington DC, vin sous terrain, vin parler avec yo, vin dire yo, plan l'Éternel gagné pour Haïti. Ça fait belle, pour que c'est pas un green moon, bon Dieu, ma vision, de qui ça a fait. Et missionnaire ça, qui sorti Washington DC, lui dit, d'ailleurs, il n'est pas fait en Haïti, lui dit comme ça que, Haïti pas loin pour le restaurer. Très bientôt, Haïti pour le restaurer. Moi-même, quand oui, Haïti pour le restaurer. Parce que nous, Haïti, il y a 10 départements, pas vrai? Il y a 8 départements qui sont en fin évangélisés. Nous baptisons, nous sommes supposés baptiser, nous l'Éternel voulait baptiser, nous l'Éternel choisi pour le sceller. De soli, bon Dieu, getan couvri 8 départements avec visite, avec missionnaire li yo. Rete à peu près 2 départements pour travail là. Profi! Et révélation, bon Dieu, te ba nou en premier, li te di, en bas 13 là, Haïti a délivré. Ça en bas 13 la vezi, ça en bas 13 la vezi. Si vision, bagé. Date exacte que vision te baye. Si vision commence en 2010, à partir de premier tremblement de terre là, kounya nou en 2022, moi m'aspire que 2023 pas passé, Haïti a délivré. Moi pas gen date, mais si c'est 13 ans, après 13, Haïti a délivré, peuple haïtien, nos ancêtres, yo te bataille pendant 13 ans pour te libérer Haïti. Kounye a bon Dieu retourne avec même chiffre 13 là. Et même lorsque la banon vision, c'est Timoun 13 ans, li fait banon vision. Gen des villes, li voye dans l'évangéliser. Li dit 13 jours d'évangélisation. 13 jours d'évangélisation dans pays cité du drapeau. 13 jours d'évangélisation dans le nord-est, dans le sud-est d'Haïti. Bon paquet de bagay bon Dieu a fait nous faire, li mande pour nous faire 13 jours, 13 tournées de Jéricho, parce que Jéricho te ge 13 tournées la donne, pour te jeter mur de Jéricho. So bon Dieu fait nous répéter les 13 tournées autour des murs de Jéricho, que Haïti va présenter les murs de Jéricho. So pour nous jeter barrière sa yo, conflit sa yo, bon Dieu mande même chiffre 13 ça encore. Et bon Dieu dit si en balle. En bas 13 ans, la délivré Haïti. Maintenant, pendant la fête travail missionnaire, là, l'Éternel dit nous,
que la dit nous les jours arrivés. Les pour nous entrer dans l'âge nous, l'Éternel a annoncé nous pour nous entrer dans l'âge nous. Et là l'Éternel a annoncé nous pour nous entrer dans l'âge nous, m'a monté sur les réseaux sociaux, m'a annoncé nous que l'Éternel fin fait tout travail d'évangélisation en Haïti, sans effet prononcé, ça déjà scellé, ou même qui refuse scellé, qui refuse quoi, ou non problème, faut la fermer, trop tard, dans un monde trop vieux, pour où? Nous pas aimer ça, c'est ça qui fait juste, je dis, pas de grâce là encore, ouverte, et bon Dieu, après les petites lions, pour retourner, pasteur à l'église protestant, yo, vous voulez parler avec yo tout spécialement. Qui perd pour yo perdre l'église yo? Ou pas qui pour perdre l'église ou? C'est tout terrain Haïti a cap converti, cap accepter le message des 10 commandements, cap accepter le 6 sabbat de l'Éternel. So c'est tout 10 commandements, c'est tout terrain Haïti a cap accepter. Ou pas gen place pour mettre moun qui voulait adorer dans 6 sabbat de l'Éternel là? Ou pas perdre moun, ou pas perdre l'église ou? Nous pas inviter pour venir maintenant ni la dîme ni offrande. Qu'est-ce que l'église nous gérer l'église ou? C'est nos gens, bon Dieu, passer l'ordre pour gérer l'église ou comme bon berger, comme bon leader, comme bon pasteur. Mm-hmm. Ou pas porter l'église ou au monde, ou pas besoin de perdre l'église ou parce que nous pas prendre l'église ou dans bon. C'est l'Éternel qui va mettre l'église là. Mm-hmm. Ou pas de problème pour venir à toute mission ou dans le message des 10 commandements parce que c'est pour moi et ça seul, bon Dieu établi, pour nous retourner vers lui, pour nous consacrer nous avec l'Éternel, le Saint d'Israël, pour que nous capables d'hériter la nouvelle Haïti. Peuple, captant des moins, peuple haïtien, l'Éternel qui te porte la ouvrir toujours, pour même qui fait courir raide, pour même qui refuse d'étendre nous. Peut-être ou t'es déjà dommagé avec faux message. M'a invité pour retourner à la Bible, retourner à la parole de Dieu et souder ça nous dit là. Est-ce qu'il y a un autre prophète qui vit sous terrain, qui vit d'où? Retourner dans la loi l'Éternel yo, pour que vous soyez capable de sauver, pas seulement pour entrer dans la nouvelle Haïti, mais pour faire partie de la nouvelle terre. Ok? Pour faire partie du royaume sans fin que l'Éternel va offrir à toute la terre. C'est seul MDC qui vient à message ça. So, même si vous avez dit que vous avez dit nos faux prophètes, tout, ou pas carré nos faux prophètes, parce que le message nous, il sort dans la Bible. C'est la Bible même qui a parlé. Nous disons, mais qui ça qui est écrit dans Ézéchiel, que Ézéchiel 37, que bon Dieu promet la rassembler le peuple en Haïti même. En Haïti. Bon Dieu a rassemblé le peuple. Et bon Dieu a encore parlé dans Jérémie 23. Ok? Dans Jérémie 23, bon Dieu dit, j'établirai sur elle, sur la nation haïtienne, des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il ne manquera aucune. Bon Dieu compare le peuple à ta bergerie, quand les brebis lui habitent ensemble. Il dit, la pétabli des bons pasteurs sous peuple IA. Pas que yon kap moke, pas que yon kap écarté de troupeau là. Il dit, en sautant, mais ça, bon Dieu dit, verset 5. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et en prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En sautant, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Est-ce qu'on comprend? Mm-hmm. So, c'est pourquoi? Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter et qui a ramené
la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. Haïti, oui, n'a pas retourné la caillou et n'a pas habité la caillou en paix. So, oiseaux méchants, pas fait nous quitter pays nous. Méchants, violence, pas fait nous quitter pays nous. N'a habité la caillou en paix et n'a pas de beaux pasteurs, de beaux bergers pour diriger nous. Peuple a rassemblé. Nous pas t'aimer un grain de monde manqué dans rassemblement ça. Nous seulement besoin obéir. Mettez-vous pour faire volonté papa parce qu'elle a brûlé chaque jour pour retourner à lui qui t'est vieux idole yo, qui t'est vieux c'est devant l'église yo, qui t'est faux message yo, retourner vers le vrai créateur, le vrai Yahweh. Le restaurateur, le rédempteur du peuple Israël, retournez vers lui. C'est le seul moyen pour entrer dans la nouvelle Haïti. Donc, on avance à débat et se unit. Et garçon, nous, on débat, nous allons faire là. Il y a des invités qui me recevoir. Ils parlent de Trinité. Et avant, tout le monde te connaît. Ils parlent de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Récemment, je recevoir un invité. Les mêmes lui dit, il y a le Père, il y a la Mère, il y a le Fils. Et même dans les versions bibliques, là, je me demande comment on réagit, comment comprendre. Et de l'idée ça. Et le okay. Père, le Fils et le Saint-Esprit, et selon la Bible, mais bah, on a une autre version qui dit le Père, la Mère et le Fils. Je me demande des réactions sur ça. Ok. Pas gagné, maman. Moun ka bay message gen maman. Hein? Pas gagné, maman. Non, bon Dieu, c'est un seul bon Dieu qui gagne. Jésus-Christ a parlé avec disciples. Philippe, Jésus-Christ dit, ma pral retourne vers papa. Et nous connaissons chemin. Il dit, disciples, nous connaissons chemin. Disciples dit, nous ne connaissons pas le chemin, hein? Et nous ne connaissons pas où pour aller. Et puis, comment on fait dire nous connaissons le chemin, hein? Jésus-Christ répond, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il continue à poser Jésus-Christ question. Il dit Jésus-Christ, montre-nous papa. Ça seulement suffit pour nous. Jésus-Christ dit, depuis combien de temps ma voix, Philippe, et vous dites, montre au papa, celui qui m'a vu a vu le Père. So, tout le monde qui voit Jésus, où est papa? Parce que, et bien Jésus qui dit, les œuvres le montrent. Jésus qui pas de montrer dans un moment. Bon Dieu pas de voyer un moment. Bon Dieu voyer son fils Jésus-Christ. Le Jésus-Christ a baptisé, non mais Jean-Baptiste, c'est une voix qui déclarait dans ce ciel là, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis il dit, il relève nous, il fait appel à nous, pour nous croire dans lui, pour nous croire dans la petite là qu'elle voyait. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il vient vers nous. Jésus-Christ, il a retourné vers le ciel, vers papa. Il dit, il faut que m'aller. Et l'aime retourner. Ma voye yon consolateur. Lemwe ale. Ma voye yon consolateur. Ba nou. Le Saint-Esprit. Li va animer nou. Li va faire nous faire de plus grandes choses encore. Que moi été fait parmi nous. Nous les disciples. Nous va faire plus grand miracle. Au-delà même que ça Jésus-Christ a fait. Parce que le Saint-Esprit encore. C'est notre révélation. De papa. De créateur là. Du Dieu vivant. So, si n'a pas les nouvelles dit, Yahweh est notre rédempteur. D'ailleurs, dans Ésaïe 54, il dit, je suis Yahweh et je suis votre rédempteur. Je suis votre époux. Si bon Dieu a parlé, il dit, je suis le rédempteur. Ésaïe 9 encore a parlé, il dit, mais comment puis-je les petites là, elle fait? Où va-t-elle? Père éternel,
Dieu puissant, compatissant, ok? On va le Père éternel, parce que c'est lui qui crée l'humanité. Jésus-Christ, oui, l'enfant, oui, il dit, on va le Père éternel, Dieu puissant. Jésus-Christ, par un petit petit dé, non? Un petit Dieu, ou bien un petit prophète, non? Ou bien un petit petit Marie fait, non? Marie seulement t'est utilisée pour que le ciel, c'est-à-dire Dieu, Dieu c'est un Dieu pluriel qu'il y a. Dieu c'est, Dieu, là Dieu a parlé, il dit, faisons l'homme à notre image. Ce bon Dieu, y compris le Fils, y compris le Saint-Esprit, grand seul Dieu. Nous-mêmes, nous avons une compréhension de Dieu. C'est un mystère. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu. So, c'est normal qu'il nous dit il y a un seul Dieu en trois personnes. C'est notre interprétation de Dieu. Mais Dieu n'est pas trois personnes. Grand seul Dieu, son mystère. Ok? Mm-hmm. Almighty three in one, son mystère qu'il y a. Mm-hmm. Ok? D'accord, on va continuer. Est-ce que, et dans la recherche qu'on fait, est-ce que vous pensez que grande différence entre Jésus et Christ? Il y a monde qui dit Jésus c'est pas le Christ et Christ c'est pas Jésus. Ou bien est-ce que deux personnages à oublier, yo connecté une à l'autre? Yo dit Jésus-Christ pour yo ka associer lui à sa mort. So Jésus-Christ, c'est-à-dire il était mouru pour nous. Là on dit Jésus son prénom. D'ailleurs, nous t'as supposé retourner non, hébreu, pour nous jouer un vrai nom. Ça, c'est nos colons en bas nous. Nous relèvons Jésus-Christ. Dans la langue panon, en français, dans la traduction. Mais le vrai nom de Jésus, c'est Yeshua Yamashia. Celui qui a été crucifié. Ok? Dieu présent parmi nous. Emmanuel, Dieu habité parmi nous. Il vécu parmi nous. Ok? C'est Yeshua, Yamashia, vrai noni, en hébreu. Non pas supposé traduit, mais quand l'on traduit non pour nous, il y a nos Jésus-Christ, et nous les font rappel tout. Jésus-Christ n'est pas blanc. Monsieur Blocus n'a pas rappelé invité Jodian, c'est sœur Unide Garçon, contribuable technique, image en frise, le temps pour et Dimitri et avec Balbito fait tout ça dans pouvoir pour capable résoudre ce problème technique là. Et automatiquement qu'on prêt, vérifier avec Balbito et avec Dimitri pour nous Balbito, pour nous connaître les Dimitri prêt. N'a pas rappelé invité Jodian, c'est sœur Unide Garçon. Alors c'est Unide, lui-même c'est grand prêtre royal, c'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité dans Blocus et n'a fort qu'on est et c'est Unide là, on allait, c'est Unide. Tu es contre problème technique. Là, nous t'es frise vite oui, nous t'es frise, c'est ça moi. Question, c'est ça oui, on allait, on dit Jésus-Christ pas blanc. Jésus-Christ nous en pas blanc. Mm. Peuple Israël là pas blanc. C'est pour nous retourner à l'île 2 roi 10 2 roi chapitre 17 pour nous voir que roi Syria déplacer nous-mêmes la race noire, exiler nous en Afrique, côté qui est même coulé avec nous, yo exiler nous en Afrique. So, petit Jacob, yo pas des blancs, son peuple noir, Moïse, qui sont en Égypte en Afrique, sont noirs. So, le peuple Israël, le vrai peuple Israël, les Hébreux, c'est nous, l'original, son peuple noir. Ok? Jésus-Christ, fait descendant de la tribu de Juda, c'est un enfant noir. C'est ça qui fait mon monde qui a caché lui en Égypte, en Afrique, pour te cacher au monde. Il fallait que même couler avec nous. Non. So, Jésus-Christ, non, pas blanc, à lire Apocalypse, chapitre 1er, pour nous la description de Jésus, il dit il gagne ses pieds couleur d'airée. Couleur d'airain, c'est couleur noire. Ou bien couleur brune. Couleur d'airain. Chevel. Couleur laine. Si chevel blanc comme la laine, c'est un petit africain. So,
bon Dieu noir associé li avec nous-mêmes comme le peuple noir blanc yo que nous en Israël là c'est pas yo même qui vrai Israël là vrai Israël là c'est petit Jacob yo descendant d'Abraham qui l'est descendant d'esclaves c'est nous qui t'allé en esclave c'est nous qui peuple Israël Israël blanc qui l'autre bois c'est européen yo et oui et nous on y craint là yo sorti oui tout près la Russie oui c'est européen ça yo déplacer l'autre bois oui qui habite l'autre bois yo pas blanc vrai Israël là pas blanc yo même yo blanc c'est faux Israël là qui l'autre bois yo prend place nous mais pas oublier bon Dieu dit tout le monde vient à lui Jésus-Christ dit s'il a prêché même message avec vous il pas prêché yo il prend yo. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, après la mort de Jésus, tout le monde vit bienvenu. C'est un devoir, ou bien une dette, bon Dieu, gagne envers Abraham, qui fait la restaurer nous, comme petit Jacob, qui la restaurer nous dans place nous en Haïti, avant la fin du monde. Il veut pour nous faire un petit coup de joui. Ok? Bon Dieu fait promesse à David, que la restaurer la royauté de David là. Nous-mêmes qui descendons David, bon Dieu, restaurer nous. Nous comprenons qu'on y est. Avant, je me pose une dernière question. Sœur Unid, ba numéro de téléphone nous. Et si vous avez un ami en Haïti et à l'étranger que tu as aimé, et contactez-vous. Ok, n'a pas ni téléphone ni résumé. Parce que il y a des gens qui ont besoin de pas résumé, non, excusez-moi, ni email. Il y a des gens qui ont besoin d'email adresse. C'est Délivrance Haïti 10 qui représente le 10 commandement. DelivranceHaiti10@gmail.com et téléphone nous c'est 754-317-86-21 seulement au carré pour poser nos questions pour sur le message ou comment nous ca faire évangéliser quartier parlez-nous pour autre chose parce que nous très occupés ces derniers temps. Bon Dieu, relé nos grands prêtres royaux li, devant nous, c'est prêcher message li chaque jour pour peuple li a ka converti et fait connaissance avec lui pour que nous capable établir la nouvelle Haïti ensemble. D'accord, et question m'a posé, gen li deux volets. Premier volet a et moun k'ap sou ka di mais jodi an yo tan de grand prêtre royal tout. Si a parlé de grand prêtre royal, qui est-ce qu'on a parlé? Parce que l'autre monde qui a dit quand tant dans l'autre grand prêtre royal tout je dis et moi-même comme journaliste c'est ce qu'a dit qu'il y a deux grands prêtres royal ou bien un seul ça veut dire que m'ta rien précision sur ça et puis et l'autre volet question est-ce que entre Dieu et Satan qui est-ce qui a dirigé le monde d'a dit particulièrement Haïti c'est Satan est-ce que sous l'empire de Lucifer qui est-ce qui a dirigé Haïti dis-moi non on allez c'est une idée pour réponse. Te gen yon guerre dans ciel là qui est cap dirige Haïti guerre dans ciel là Satan t'est tombé sous la terre bon Dieu t'est précipité Satan vers la terre et bon Dieu t'est dit malheur à la terre quand Satan est descendu vers elle Satan a dirigé la terre mais bon Dieu a pris contrôle ces derniers temps l'a éliminé Satan sous terre l'a éliminé autorité li. Et bon Dieu apprend contrôle des choses. Avant la fin du monde, c'est bon Dieu qui va diriger toute bagaille. So, bon Dieu a restauré le royaume, la terre, back, sous contrôle li, et l'a éliminé Satan. Satan pas existé encore. En Haïti, Satan a pia fait kounia. C'est ça nous est. Nous est moun a mouri à droite à gauche. Moun ap di ap tiye 4000 moun, yo pran zam yo fè sa yo vle, terrain. C'est Satan kap dirije Haïti kounya la. Et Satan ki mete tout esprit faux prophète sa yo kap krasé peyi a. Nan ben non. Nou o zabwa, nap kouri, nap chache lòt peyi kòm refuge. Peyi a difisil pou nou viv la dan. Paske Satan fè twen li an Haïti. Men apre katastrofe la, bon Dieu a déraciné trône Satan d'Haïti. Satan n'a pas de pouvoir sur le pays encore. Bon Dieu a pris contrôle d'Haïti.
côté que petite li ou pral vivre en paix. Est-ce que gagne un faux grand prêtre royal et un vrai grand prêtre royal? Bata de question très bien, non? Est-ce que gagne un faux grand prêtre royal ou bien est-ce que gagne un vrai grand prêtre royal? Mais c'est originel là, surtout dans l'autre grand prêtre royal souterrain, hein? Ennemi a toujours copié ça, bon Dieu fait. Moi-même, je vais me faire show off, ni paraître tête moins. Même si je demande qui titre moins, je ne vais jamais dire titre moins. Mais moi-même, moi c'est vrai, là. Moi c'est pas créateur là, le Dieu vivant, le Saint d'Israël. Surtout de l'autre, c'est modèle Satan, c'est modèle ennemi qui a copié ça, l'Éternel fait, pour troubler le monde, pour créer confusion, pour peuple là, pas vivre l'Éternel. C'est nous seulement qui avons prêché l'Évangile souterrain. C'est nous seulement qui avons baptisé 2600 personnes par jour pour retourner dans le royaume de Dieu. C'est nous qui avons 750 églises que nous retirons dans le faux jour d'adoration, nous mettons dans le vrai jour d'adoration. C'est nous qui avons baptisé plus que 250 000 personnes souterrain. Le prophète, les envoyés de monde souterrain, ça te met mes sous yo. De mon mette mes sous yo. C'est nous yon relé, oui. Pour venir délivrer yo. En bas pouvoir ennemi yo. C'est nous pour dire puissance, oui. Pour nous marcher sous tête Satan. Pour nous craser Péristyle. Pour nous restaurer Haïti, oui. De mon pas faire nos paix. Parce que nous prions. L'Éternel avec nous. Nous pas nos puissance. D'ailleurs, l'Éternel dit, gardez silence. La combat pour nous. Même lorsque vous voulez craser nous, vous voulez battre avec nous, vous bloquez 10 commandements pour nous pas trouver, bon Dieu dit, gardez silence, la combat pour nous. Merci à vous, merci à vous. Servez l'Éternel là, d'accord. Vrai. Servez l'Éternel là, vrai. Prête l'Éternel là qui l'a. Merci un peu, Sœur Unite garçon. Du fait que tu es méthode disponible pour nous aujourd'hui. On a appelé ce grand prêtre royal. Merci. Et du fait que tu es accepté par les Aven. C'était un plaisir tout pour nous te servir, peuple là. Merci, merci d'être que nous t'es à l'écoute. Et nous voulons dire un merci spécial avec Pierre-Richard Guillaume parce qu'il a donné telle occasion pour que peuple là te capte le message de l'Éternel jeudi et qu'il a entré dans le royaume. Que l'Éternel va établir en Haïti très bientôt. Merci, on le fait encore et merci et d'avoir suivi Blocus. Merci à Dimitri Loture, merci à Balbito. Pas oublier pour commenter, critique, suggestion, analyse, écrit dans 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier et abonner avec Chanel Blocus. Et bien, on demande de faire nous monter sur YouTube tout. Fait plaisir, abonner avec Chanel Pamnan qui c'est Pierre-Richard Guillaume. Info abonné avec lui et pour nous capable encourager. Merci un pile. Et puis merci d'avoir suivi Blocus, pas oublier pour te présenter l'émission ça dans micro non pam, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.